Qui étaient au collège. J'ai pensé que leur talent pouvait être utile pour constituer un orchestre. Et donc, cette année, eh bien, on a choisi comme thématique la musique des jeux vidéo. Bah, parce que j'aimais bien jouer dans un orchestre, parce que bah, je voulais mettre mon talent, on va dire, en action dans un groupe. Parce que j'aime bien la musique et faire de la batterie dans un orchestre au collège. Alors j'ai ouvert cet atelier dessin pour tous les élèves qui aiment dessiner et qui souhaitent aussi se perfectionner. En début d'année, on a appris un petit peu à libérer son geste, à dessiner un peu autrement, à obtenir des graphismes variés en fermant les yeux ou en dessinant de la main gauche. Après, par la suite, on a un petit peu revu quelques codes de représentation, donc les proportions du corps ou du visage, le paysage, la bande dessinée, et puis aussi prendre des modèles et dessiner d'après modèles pour petit à petit avoir un trait un peu plus sûr. Voilà, et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Bah parce que j'aime bien dessiner. J'ai choisi de faire cet atelier parce que j'aime bien dessiner et introduire mon métier. Bah parce qu'en fait, j'aime bien dessiner là, et puis aussi parce qu'il y a longtemps, quand j'étais en primaire, j'ai fait un atelier de dessin, peinture, tout ça, et du coup, bah, j'ai voulu recommencer. Donc, le club lecture nous permet d'échanger autour de la lecture avec les élèves et les enseignants, c'est-à-dire moi-même et Madame Kelvé. Nous échangeons autour de nos lectures que nous avons aimées ou pas. Et ensuite, ces critiques littéraires sont diffusées sur le blog du club lecture qui se nomme Le Monde des Livres. Eh bien, c'est un atelier Scrabble, en Scrabble duplicate. C'est-à-dire que normalement, quand on joue en famille, on joue chacun avec un tirage différent. Là, chaque joueur ou chaque équipe de joueurs a son scrabillier. Il y a un arbitre qui fait le tirage et tout le monde réfléchit donc au même tirage. Une fois que le coup est terminé, normalement au bout de 3 minutes, on choisit la meilleure des solutions qu'on affiche avec un code de lettres et de chiffres, etc. Voilà. Alors dans cet atelier, on s'amuse via le théâtre. Donc on utilise son corps, ses émotions pour exprimer diverses choses. Donc ça permet d'avoir confiance en soi et de s'amuser différemment. Alors on le fait en anglais, c'est un anglais qui est très facile, mais ça permet d'apprendre de nouveaux mots et passer un moment agréable en jouant un rôle et en ne se prenant pas au sérieux. So in this club we're having a lot of fun using English and drama. So here we are using our emotions, our body to express many things, and we use art and English to have some fun here. So you're really welcome to join if you want to have fun.
temps de 13h à 14h. D'habitude, on attend la récréation et c'est un peu mieux, il fait froid. Donc, on a choisi cette option pour s'amuser, pour exprimer notre talent avec des amis, leur proposer de venir. Comme ça, on peut enfin faire un passe-temps. Parce que c'est intéressant pour ceux qui aiment bien faire du théâtre comme moi. Et cela permet de passer le temps de 13h à 14h. C'est plus rapide et au moins on s'amuse tout le monde. Alors dans cet atelier, en ce moment on prépare un concours avec le magazine Wapiti. Donc les élèves font des recherches sur les animaux marins, les mammifères marins en particulier. Et donc là en ce moment ils sont en train de faire des recherches sur internet et le but du concours c'est de réaliser un petit dossier comme un reportage. Nous faisons un fascicule pour le concours Wapiti à rendre le 15 janvier sur les mammifères marins. On étudiera en classe le narval et individuellement un animal marin choisi par les élèves. J'ai choisi cet atelier car j'adore les animaux et je voulais faire un concours. Je fais cet atelier parce que j'aime bien les animaux, j'aime bien faire des exposés et parce que j'aime bien faire des concours. J'ai choisi cet atelier car j'aime bien les animaux, surtout les animaux marins. Et j'aime bien faire des concours et des choses dans ce genre-là. J'ai choisi cet atelier parce que c'était un atelier de scientifique, mini-scientifique. J'ai choisi aussi parce que il y avait les concours.